tout petit. Je suis un fervent passionné de la restauration. Et du coup, j'ai fait beaucoup de traiteurs dans le golfe de Saint-Tropez, dans le Var, tout ce qui était baptême, mariage, séminaire. Voilà, ensuite j'ai fait des établissements étoilés pour peaufiner ma méthode. Et maintenant, je suis tout nouveau arrivant dans le 04. Voilà. Donc, j'ai récupéré la gérance d'un point multiservice. Là, j'essaie de développer un peu du bar. Il y aura du service traiteur vente à emporter, petit plat du jour le midi. Et voilà, et peut-être le week-end, on va essayer de faire des grillades aussi le soir. Il y a aussi vente de poulet à emporter. D'accord. Voilà. Bah, ça s'est fait par hasard parce que j'ai acheté une maison, c'était en février dernier à Argence. Et après, on m'a parlé que la mairie allait ouvrir un point multiservice. Et donc, je me suis rapproché auprès de la mairie pour m'en renseigner un peu ce qu'ils proposaient. D'accord, c'est vous qui avez pris contact avec la mairie directement. Voilà, j'avais entendu parler, donc je me suis rapproché de vous. Donc fromage, du miel, qu'est-ce que je peux prendre d'autre, de la charcuterie. J'ai déjà la charcuterie un peu locale. Et après, on fera une partie épicerie fine aussi. D'accord. Super, les clients de la commune sont vraiment adorables, très accueillants aussi. Donc ça, c'est super. Et puis avec les services de la mairie, il n'y a aucun souci. Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Pour le moment, il y a pas mal de clients qui viennent, quoi. Ah oui. Bon, après, j'ai une petite terrasse, donc c'est vite plein. Oui, c'est vite plein, oui. La réservation, c'est conseillé, parce que c'est vite plein. Donc, mais je suis très satisfait du démarrage, oui. Et là, vous avez combien de places, à peu près Là, pour l'instant, je suis à peu près, on va dire, 18-20 places assises. Hein. Voilà. Après, plus tard, on pourra s'organiser pour avoir une deuxième terrasse ombragée. Voilà. Ailleurs. Voilà, juste à côté. Et là, vous, normalement, c'est pour quelle période? C'est plutôt estival ou bien ça se dirige sur un truc Ah non, alors moi, je serai ouvert toute l'année. Peut-être que je fermerai juste une quinzaine de jours pendant les vacances scolaires. Pour voir mes petits, quand même. Oui, oui. C'est du congé annuel, quoi, traditionnel. Voilà, mais voilà, ça sera juste pour février, je pense. Sinon, après, je resterai ouvert toute l'année. On verra voir dans le temps. Oui. Voilà, et puis cet hiver, j'essaierai peut-être de faire plus des repas à thème. Pourquoi pas des concours de cartes, des petites choses comme ça. Ça pourrait être sympa, ou même des petites balles dansant. On va voir. Je vais réfléchir à faire quelques animations cet hiver pour vous. Et pour l'avenir, il y a des prévisions ou bien... Alors pour l'avenir, on espère bien récupérer le restaurant d'à côté, qui là, pour le coup, fera vraiment restaurant. Et pour le coup, on essaiera de faire bistrot de pays. Et ensuite, ici, on va essayer de transformer ici en petite supérette, voilà, vraiment avec un peu plus de produits accessibles. Plus produits locaux à ce moment-là. Voilà, plus produits locaux pour ce moment-là. Voilà.